La visite, c'est ce que nous avons dit, c'est une mission conjointe FAO gouvernement du Sénégal, composée donc des ministères en charge de l'agriculture et de l'équipement rural, de l'élevage et des productions animales, de l'environnement et du développement durable, des pêches et de l'économie maritime, y compris le ministère de l'économie, du plan et de la coopération, avec une équipe de la FAO pour, ensemble avec le gouvernement, constater la mise en œuvre des activités du cadre de programmation par pays 2019-2023. Nous sommes à mi-chemin de la mise en œuvre et il était important par rapport aux priorités qui ont été définies pour accompagner le gouvernement, qu'on sache quel est le ressenti des populations, comment ils ont pu accueillir les activités dont elles ont bénéficié de financements qui proviennent d'un peu partout, de la FAO, de la coopération aussi bilatérale qui ont souhaité accompagner le Sénégal. Nous avons la responsabilité de cette zone sud. Nous étions hier à Tambacounda. Ce matin, on a été à Lanambé. Et nous voici ici à Koumbakara, justement, pour voir une activité extrêmement importante qui concerne la chaîne de valeur miel. Hein, et quand on dit chaîne de valeur miel, il y a les élevages, il y a l'apiculture, il y a les abeilles, il y a l'environnement, il y a les activités qui sont surtout les femmes. Et donc, une activité qui génère des revenus, qui peut assurer la sécurité alimentaire, mais aussi permet aux femmes de s'autonomiser. Donc voilà un peu ce qui nous a amené pour constater les résultats, les analyser en termes de qu'est-ce qu'il faut mettre à l'échelle, quelles sont les contraintes qu'il faut lever, et en quoi est-ce que nous devons insister pour les perspectives. Les perspectives d'avenir, et notamment aussi par rapport à des initiatives comme le programme de partenariat que j'ai évoqué tout à l'heure et l'initiative Hand in Hand. Voilà, ce sont des actions extrêmement importantes et nous souhaitons, en relation avec le gouvernement, organiser d'ici la fin du mois de janvier 2022, début du mois de février, une réunion qui va regrouper tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux et au cours de laquelle nous allons présenter les résultats, les témoignages des acteurs et faire en sorte que ces partenaires soient attirés non seulement par les résultats qui ont été obtenus, mais aussi soient vraiment disposés à accompagner le gouvernement dans le sens de la capitalisation et de la consolidation des acquis. Nous ne ferons que vraiment remercier l'ensemble des autorités qu'on a trouvées ici sur place, M. le maire, en premier, le chef de village, et les représentants du gouvernement, très dynamique, hein, qui a beaucoup de perspectives à ce niveau-là, qu'il faudra relever, et renforcement des moyens, renforcement des capacités, renforcer la diversification des activités, comme l'a dit la présidente à ce niveau-là. Et je crois que ça va nous aider dans la reformulation du système 2019. 2023, dans le cadre de cette révélation à mi-parcours, de prendre en compte l'ensemble de ces éléments, d'arriver à voir comment faire pour capitaliser tous ces résultats et
vraiment étendre ces bons résultats-là à d'autres villages. Nous vous remercions, je remercie bien la presse d'être là pour accompagner et pour faire le travail, disséminer l'information. Ces expériences-là, disent qu'ils sont extrêmement importantes, quoi, vraiment, si on considère comme l'a dit M. le maire, bon, c'est au cœur du Fouladou, au fond du Fouladou, que les gens travaillent, les gens prennent des initiatives avec les différents acteurs qui sont là. Je vous remercie. Je crois que je ne peux que remercier la délégation qui s'est présentée aujourd'hui dans ma commune, en profondeur du Sénégal même, on peut dire. Si aujourd'hui ils sont là, je crois que c'est l'intérêt de la collectivité territoriale. Donc nous, en tant que collectivité territoriale, je crois que vraiment, on va soutenir le programme de ce projet-là. Je crois que là, aujourd'hui, on ne peut que remercier vraiment Korotini pour vraiment les belles perspectives qu'elle est en train de faire dans la commune de Koumbakara. Donc aussi féliciter les étrangers aujourd'hui qui sont là, qui sont venus vraiment visiter la commune de Koumbakara et qui sont venus voir les activités qu'on est en train de mener dans cette collectivité territoriale. Donc je ne peux pas terminer pour autant ne pas demander vraiment à ce qu'ils nous renforcent à aller de l'avant. Parce que vraiment, je crois que nous ici, on est vraiment très 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 loin et on est en profondeur. Vraiment, quand on voit des partenaires qui sont là pour nous accompagner, on ne fait que les remercier. Vraiment, c'est quelques mots que je voulais vraiment présenter. Et je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un bon retour au niveau de votre localité. Merci.